Daniel Marcelli, vous êtes professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, auteur de nombreux ouvrages et par ailleurs président de la Fédération nationale des écoles, des parents et des éducateurs. À ce titre, vous avez créé cette année une nouvelle collection chez ERES qui s'appelle l'École des parents. Et nous allons aujourd'hui parler du deuxième titre de cette collection qui porte sur les nouveaux objets transitionnels. Alors, pourquoi est-ce pertinent aujourd'hui de parler, de revenir sur ce concept d'objet transitionnel qui, somme toute, a plus de 65 ans ? C'est pertinent parce que la société évolue et qu'effectivement, dès son invention par Winnicott, cet objet transitionnel était justement, comme son nom l'indique, à l'interface entre le bébé lui-même et le monde extérieur, sa maman bien entendu, et le monde extérieur. Et l'objet transitionnel, c'est à la fois un objet qui représente la maman sans être complètement la maman, mais qui ouvre également à l'espace d'illusion et de créativité. De ce point de vue-là, la société évoluant, d'abord, elle s'est emparée de ce concept de Winnicott pour fabriquer des nounours, des doudous, de plus en plus perfectionnés et à la portée de l'enfant. Il y a même des études de marketing qui sont faites pour les bébés. Et deuxièmement, la société évoluant, il y a toute une création d'objets connectés maintenant qui font que les limites de soi-même tendent à se dissoudre grâce à ces téléphones portables, grâce à Internet, etc. Et plusieurs auteurs se sont posé la question de savoir si ces objets n'étaient pas des équivalents ou des succédanés ou des ersatz, toute la question est là, de ces objets transitionnels. D'accord. Et le fait que ces doudous soient aujourd'hui fabriqués en grande quantité, de manière en série en fait, le fait que ces objets ne soient plus trouvés, créés par l'enfant, comme c'était le cas autrefois, qui choisissait son doudou parmi les objets de son environnement immédiat, est-ce que ça a un impact sur la fonction transitionnelle de l'objet, du doudou ? Winnicott disait qu'effectivement, l'objet transitionnel est une invention de l'enfant. Et de ce point de vue-là, sa capacité du bébé à faire d'un objet quelconque l'objet d'élection grâce auquel il va développer ce sentiment est précieuse. Néanmoins, l'enfant se sert d'objets qu'on lui donne et dans la société, il va être amené ensuite à utiliser des objets que la société lui donne. On est dans une société technologique. Donc, que la société fabrique des objets qui sont particulièrement doux, dans des formes agréables pour le bébé, et qu'il va pouvoir s'approprier, moi je n'y vois pas trop d'inconvénients. D'autant que, à la naissance des bébés maintenant, en général, les familles et les amis achètent pour l'enfant 5, 6, 7, 8 objets de ce genre. Et que, chose très étonnante, l'enfant en choisit un, il fait un choix d'une certaine manière. Alors, ça préserve un peu sa capacité donc d'activité et d'invention. De liberté. Liberté. Voilà. Comment expliquez-vous le fait que cet objet soit tellement surinvesti par les parents aujourd'hui qui parfois en achètent en plusieurs exemplaires au cas où ce doudou se perde et en cas de séparation aussi et par les professionnels également hein. C'est une question qui est extrêmement importante et qu'on aborde dans ce petit ouvrage. Je crois qu'effectivement, il y a chez les parents, d'un côté, le savoir maintenant qu'ils ont acquis de cet objet transitionnel, ils savent que c'est important pour l'enfant, et d'autre part, il y a le désir de combler l'enfant et de ne jamais le confronter au manque. Alors l'objet transitionnel est un peu justement cet objet qui pourrait devenir un objet de comblement. C'est certainement pas ça dans la bouche de Winnicott et dans la tête de Winnicott, puisque ça risque dans ces cas-là de devenir un objet fétiche. Et plusieurs articles, justement, analysent la différence entre objet transitionnel et objet fétiche. Mais pour les parents, l'idée que l'enfant ne doit manquer de rien est une idée extrêmement importante. Et d'autre dernier point, il y a toute la dimension, je dirais presque, d'idéalisation de la toute petite enfance, d'idéalisation du bébé, de cet être extrêmement sensible dans un monde de plus en plus impitoyable, on va dire,
Et comme je le dis à plusieurs reprises, le bébé est un peu devenu la source émotionnelle de beaucoup d'adultes. Et donc, mélangez tout ça et vous obtenez cette importance de l'objet transitionnel. Et différents articles de ce petit ouvrage déclinent ces différents aspects. Comment expliquez-vous que de nombreux adolescents aujourd'hui ont du mal à se séparer de leur doudou, hein, des objets de leur enfant ? Il y a un article très intéressant d'une infirmière qui effectivement travaille avec des adolescents hospitalisés et qui montre combien ces jeunes sont dans une sorte de grand clivage où il y a l'adolescent de la nuit qui est là avec son doudou, avec son pyjama presque enfantin, avec son pouce en bouche, et qui n'a pas trop de pudeur à se montrer tel quel auprès des infirmières, du personnel de l'hôpital. Et il y a l'adolescent ou l'adolescente qui se maquille, qui se met la petite jupe, ou le garçon qui roule des mécaniques et qui veut devenir un adolescent, revendique ce statut, avec parfois même une vie amoureuse, une vie sexuelle. On pourrait dire qu'effectivement, c'est je pense, des caractéristiques de la vie contemporaine, c'est d'éviter de choisir, parce que tout choix est un renoncement, et de pouvoir jouer sur tous les tableaux. Donc d'organiser une forme de clivage, où quand je suis dans mon espace intime, je redeviens le bébé que j'étais, et que ça me fait plaisir, cette régression, et quand je suis dans l'espace social, ben, je revendique d'être l'adolescent. Et cette position, alors, en soi, je pense que c'est une forme d'adaptation au monde, c'est d'ailleurs très bien décrit à plusieurs reprises, ça peut devenir difficile pour certains adolescents quand ce clivage leur fait perdre un peu le sentiment de soi-même, le sentiment d'identité de soi, parce que c'est ça le risque. Donc ça, voilà, comme toujours, il y a un avantage et un inconvénient en toute chose. Alors venons-en maintenant à la deuxième partie de l'ouvrage qui concerne les objets connectés. Est-ce que ces objets, selon vous, je parle bien sûr des téléphones portables, qu'aujourd'hui la plupart des propriétaires ont du mal à se séparer. Est-ce qu'ils jouent, selon vous, un rôle d'objet transitionnel ? Alors, concernant les objets technologie moderne, les portables, les ordinateurs, Internet, les jeux vidéo, etc., je me garderai de faire une réponse parce que, d'abord, elle est dans l'ouvrage et elle est très différente selon les auteurs. Certains sont assez partisans d'un rapprochement avec les objets transitionnels dans la mesure où ce sont des objets qui effectivement nous font le lien entre le monde extérieur et nous-mêmes, sont une sorte d'air d'incertitude entre nos propres limites. D'autres sont résolument hostiles à l'idée que ces objets hyper connectés soient transitionnels. Certains pensent qu'ils se rapprochent plus des objets fétiches dans la manière de les utiliser. D'autres considèrent encore que ces objets ont plusieurs fonctions, parmi la fonction transitionnelle, mais d'autres de création de soi-même, d'accompagnement, enfin, etc., etc., qui ne sont pas nécessairement ceux des objets transitionnels. Donc la question que nous avions posée en début d'ouvrage, les nouveaux objets transitionnels, oui, il y a des nouvelles manières de faire, des nouveaux accompagnements. Oui, l'être humain a toujours besoin, au fond, de quelque chose auprès de lui qui l'accompagne, avec lequel il se sente une sorte de continuité d'existence. Par exemple, certaines personnes âgées dans les établissements pour personnes âgées, un auteur en parle de manière intéressante, ont ces espèces d'objets qui les accompagnent toute leur vie, dont on peut dire qu'ils sont un peu l'équivalent d'objets transitionnels. Donc on n'a pas fini de parler d'objets transitionnels. Je pense que c'est un concept vivant, comme beaucoup de choses qu'a dit Winnicott. Je pense que cet ouvrage le montre bien et que d'une certaine manière, c'est un ouvrage vivant qui permettra aux lecteurs, et je dirais les lecteurs de toute catégorie, aussi bien les professionnels que les parents, voire des jeunes, toutes personnes intéressées, je pense, tireront profit de la lecture de ce petit opuscule.